Et salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de la dernière vidéo que j'ai faite, donc qu'on a supprimé, enfin que j'ai supprimé. Je vais vous expliquer pourquoi. Et on va se lancer un petit expresso de 50 centimes. Voilà, allez, on va le jouer en normal, on va pas jouer en nitro. Donc les gars, alors j'ai fait une vidéo en vous demandant, oula, c'était un petit peu fort, désolé, en vous demandant si pour vous Winamax c'était arnaque ou pas. Alors. Du coup, ça a fait beaucoup débat parce que voilà, la plupart des voilà, c'est vrai que j'ai pas un énorme niveau de poker, et le souci c'est que bah, du coup, j'en suis pris un peu plein la gueule du fait que bah, j'étais voilà, qu'en gros j'y connaissais rien et que je me permettais de critiquer, alors que c'était pas du tout ça le but recherché. Le but recherché c'était juste d'ouvrir un débat, d'avoir un petit peu vos avis, et c'est pas mal d'avoir eu cet avis-là parce que du coup, ça m'a fait un petit peu prendre en. En, comment dire, en, ça m'a fait un petit peu réfléchir sur ce que je pensais, et c'est franchement pas mal parce que du coup, ça m'a permis de voir un petit peu le pour et le contre, et de me rendre compte aussi, que c'était bah voilà, que il y avait des personnes qui, enfin, qui pensaient vraiment que c'était, qui pensent vraiment que c'était pas une arnaque, donc voilà, donc c'est quand même voilà, donc je me suis quand même pas mal enfin, remis en question, et j'ai vu que c'était que voilà, que ma réflexion n'était peut-être pas la bonne. Et en tout cas, je voudrais remercier ces personnes-là qui m'ont chargé dans les commentaires, qui m'ont un peu bousculé, parce que du coup, ça m'a permis d'apprendre et ça m'a permis de voir un petit peu voilà, les différents avis et de me dire, ah, est-ce que ça, c'était peut-être pas un petit peu trop. Voilà, donc je sais que j'ai mal fait les choses, que j'ai pas dit voilà, les choses comme il le fallait. Donc c'est pour ça que j'ai supprimé la vidéo. Pourquoi j'ai supprimé la vidéo? Non pas parce que je m'en suis pris plein la gueule, parce que ça, encore, voilà, ça peut encore, entre guillemets, passer. C'est pas ça qui me. C'est pas ça qui me. Qui m'arrête, c'est pas ça qui me fait supprimer mes vidéos. Ah d'ailleurs, oh il m'a niqué. C'est pas ça qui va me faire supprimer mes vidéos. Mais juste, voilà, c'était. Voilà, il y avait un petit peu trop de, entre guillemets, de haine dans cette vidéo. Alors, attendez, je vais juste régler. La caméra, là vous voyez tout mon setup, c'est pas grave les gars. Voilà, alors c'est bon, normalement ça doit être bon. Donc je vais remettre comme ça. Donc voilà, en fait j'ai mal dit les choses, c'est vrai. Et en fait là voilà, mon but maintenant en faisant du poker, c'est tout simplement d'apprendre à jouer au poker. Là je me suis inscrit sur un truc, c'est d'ailleurs quelqu'un qui m'a interpellé dans les commentaires de la vidéo que j'ai supprimée, qui m'a dit va voir. Kill Tilt, je crois que ça s'appelle comme ça, et je me suis abonné et tout, et là je suis en train vraiment d'essayer d'apprendre les mécaniques, etc. Bon là je suis pas du tout concentré, hein. Donc je joue un petit peu comme une merde, mais voilà, donc j'essaie d'apprendre les mécanas, de voir un petit peu comment ça marche, voilà ce qui peut se passer, à quel moment. Donc voilà, j'ai pas encore le niveau suffisant, mais je pense qu'avec le temps ça peut peut-être payer, et ça peut être pas mal, franchement ça peut être pas mal, ça peut donner quelque chose. Après, oula, lui il joue bien. Peut-être qu'il a As, les gars. Je sais pas. Je sais pas s'il a As. Vas-y, non, je passe. Je passe. Bon, je suis en train de me faire plumer, les gars. Vous savez quoi? Bon, là, je sais qu'il faut pas du tout faire ça. Je me mets all-in. Bon, il suit. Est-ce que ça suit? Non, ça suit pas. K7. Ok, bon, il m'a niqué. Bien joué à lui. Bon, en même temps, j'ai super mal joué. Hein. J'ai super mal joué, les gars. Donc voilà, en fait, c'était juste une petite vidéo. Juste pour vous. Voilà, vous remettre un petit peu dans le. Dans le contexte, et puis juste un petit peu pour expliquer mon bah, le pourquoi du comment, pourquoi j'ai supprimé cette vidéo et pourquoi j'ai pourquoi tout simplement j'ai fait cette vidéo aussi, et voilà, ça m'a permis de me remettre en question, de voir un petit peu ce qui allait, ce qui allait pas, et aussi voilà, ça montre que voilà, je suis pas là pour les vues, je suis pas là pour voilà, parce que la vidéo avait 400 vues. Si je voulais vraiment être là pour les vues, je l'aurais laissé. Je me dis, ouais, je m'en fous, elle fait 400 vues. 400 vues en une semaine, donc ça veut dire qu'en un mois, elle peut en faire 1000. Voilà, c'est pas ça qui m'intéresse, les gars. C'est vraiment pas ça pour ce genre de vidéo-là. Même dans la vidéo, je vous ai demandé de pas liker. Donc voilà, enfin, je reste honnête avec vous et je ne veux pas. Voilà, je suis pas là pour les chiffres. Voilà, donc. Voilà, à bon entendeur. Voilà, donc j'espère que maintenant, voilà, toutes ces personnes voilà, qui m'ont bougé, ils ont eu raison de me bouger. Maintenant, j'espère que, voilà, comme certains l'ont fait, me dire, ah, va voir cette chaîne-là, va apprendre sur cette chaîne-là, c'est cool et tout, tu pourras t'améliorer.
Et franchement, c'est cool, et je vous en remercie. Et c'est ce que je suis en train de faire, donc là, je suis en train de m'améliorer, et je suis en train d'apprendre un petit peu le poker, et c'est pour ça qu'on va en faire un petit peu toutes les semaines, et on va voir un petit peu la progression, et si on peut progresser tous ensemble, et ça peut vraiment être cool. Bon, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez-la si vous avez envie, je vais pas vous demander des pouces bleus. Abonnez-vous si ça vous fait plaisir. Voilà, on approche des 400. On approche des 400 abonnés, ça me fait plaisir. Voilà, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Salut.